sur la sécurité alimentaire, notamment de voir que eh bien, on a les mêmes problèmes d'importation des aliments et une volonté commune d'augmenter la production agricole. Et donc on a déjà identifié plusieurs thèmes pour collaborer, notamment comment augmenter la production agricole, comment sensibiliser nos politiques à cela, comment développer l'innovation, comment arriver à faire un transfert de compétences avec les agriculteurs. Donc je pense que ça a été vraiment très stimulant, très enrichissant. Et il y a vraiment encore d'autres thèmes qu'on a identifiés et je pense que le fait de se rencontrer, ça nous permettra de les améliorer, de les enrichir, mais surtout de faire participer nos collègues de nos universités. Cet atelier, à mon sens, est très important dans la mesure où, depuis la première séance de travail qui s'est faite hier, avec les collègues cubains, on a pu travailler à partir de présentations qui se sont faites. On a tout de suite vu les similitudes qu'il y a entre ce qu'ils font et ce que nous faisons dans nos laboratoires en Haïti. Et aujourd'hui, on a pu intensifier les contacts déjà, les affinités entre les différentes équipes de recherche s'est peaufinée. Ok, donc là, on est prêt à passer à la phase d'identification d'idées de projets qu'on a commencé à faire, bien sûr, on va dire, de façon préliminaire. Mais étant donné qu'il y a un autre atelier de prévu, donc on va pouvoir intensifier les efforts qui sont en cours de façon à élaborer des projets communs.